Oh putain. Oh merde. Merci. Oh merde. Poupette, coquette, sur cette en zouquette, ma c'est chaud, c'est raguette, poquette, c'est pire qu'un poquette, y'a des bêtes qui tournent, c'est des lance roquettes, en fait, y'a des filles qui avancent des enquêtes, elles garonnent, ils s'inquiètent, ça sonne avec des bêtes sous la banquette, vers un RS, c'est l'éternité. De ces deux jours passés là. Mais je me faisais un bilan ce soir tout seul dans le lit. Hein. Bref, et comme on arrive en fin 2023, l'année ça va, l'année elle est finie, ça y est, c'est bon. Souvent on dit l'année elle est passée super vite, machin, qu'on arrive en fin d'année, mais en vrai, je me suis fait la réflexion tout à l'heure avec des amis en me disant, mais putain, moi, l'année en fait, ok, elle passe vite. Mais en fait, le Simon de janvier 2023, c'est pas la même personne que je suis aujourd'hui. Donc en fait, pour moi, ça me paraît tellement loin, mais en même temps, c'est proche. Mais je sais pas comment expliquer que cette année, c'est... Waouh. Donc oui, ok, je mets les stories où je danse, poquette, nana, mais en vrai de vrai, y a pas que ça dans ma tête. Y a aussi des réflexions plus sérieuses. Et je me rends compte de tout ce qui s'est passé cette année. Genre, mais tout, hein, à tout point de vue, pas que forcément dans ma vie, mais dans la vie des gens qui ont gravité autour de moi, etc. Je me dis, putain, mais ouais, cette année a été dingue. Pas dingue en mode, genre cool, mais dingue à plein de niveaux, tu vois. Et je me dis, franchement, je crois que c'est une de mes années. Malgré tout, même s'il y a eu du mauvais, c'est l'année... qui m'a le plus changé, et c'est pas en mode bateau pour le dire, en mode ouais, 2022 m'a brisé, 2023 m'a ouvert les yeux, je suis de retour en 2024. Non, c'est genre cette année, les gars, ça a été une dinguerie. Il s'est passé trop de choses dans ma vie, dans ma manière de voir la vie, etc. Mais à tout point de vue, tu vois. Bref, donc voilà, je voulais vous dire en tout cas merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont soutenu cette année. Ça a été très compliqué. Il y a eu tellement de hauts, de bas, de trucs. Un coup, je me remets avec elle. Un coup, je suis avec elle. Un coup, tout le monde veut me faire la peau. Puis après, finalement, non. Enfin, je me suis vu mort cette année. Je me suis vu à mon meilleur niveau de ma vie cette année. Puis un coup plus bas, puis un coup plus haut. Pour la finir, je pense au plus haut actuellement. Finalement, je pense. Et j'ai commencé 2023 au plus mal. Et je pense commencer 2024 au plus haut. J'espère. Et j'espère que cette année elle se finira aussi bien que l'an prochain finalement.
Non, j'ai peur. Mais non, y'a rien à voir. J'ai peur, Pabs. Mais non, c'est sympa, tu vois. Moi. J'ai peur. On fera un petit spa. Oh, un spa, vous. Un petit spa. Okay. Oh, pas de filtre. Je devais rentrer ce soir, mais j'ai prolongé. On a changé de. Ah, on a changé de demeure. 320. C'est mon numéro le 20 en plus. Oula. Oulala. Oulala. Ouh. En mode panorama. Ouais, pas mal ça. Ouais, du chaud. Ouais, pas mal ça. Ouais, ouais, j'aime bien. Ok. Ouais, un peu plus. Putain. You're a good man. You're a good guys. Ils arrivent. Ah mais non, mais quel con, c'est moi. C'est quoi ce bruit de ouf? C'est la baignoire qui fait ça, quoi? Ok, j'ai compris, c'est la baignoire. Oh putain! Je sais pas ce que c'est ça. Il y a un bruit étrange. Mais c'est quoi?